Yo les gars, c'est Loki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, un nouvel épisode de ma série Loki fait le point qui vous plaît toujours autant, ça me fait grave plaisir, merci à vous. Alors aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode qui portera on va dire sur le tabac, principalement on va dire la cigarette et le fait d'entendre un peu partout fumer tue. Alors c'est vrai qu'on nous balance ça, on voit tout ça comme des choses mauvaises, donc je vais vous éclairer un petit peu, je vais vous parler un peu de la composition des cigarettes et pourquoi surtout cette composition. Quelques idées reçues, quelques petits trucs aussi que j'ai trouvé dans de la doc, et franchement ça vaut le coup. Voilà, j'ai été surpris moi-même en faisant les recherches parce que on apprend énormément de choses, et je fais pas cette vidéo pour vous dissuader de fumer ou pour vous dire qu'il faut fumer, que c'est bien, c'est pas bien. Voilà, je vous fais cette vidéo pour vous apprendre 2-3 trucs parce que vous verrez que finalement c'est très mauvais certes. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut entendre qui sont pas forcément bonnes, voilà, des choses qui sont un peu erronées. Et puis voilà, alors en fond, vous aurez un gameplay sur Modern Warfare 3 sûrement, à la S50 en zone de largage, un super gameplay. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que j'aurai un maximum de likes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une vidéo qui va être, je pense, très intéressante, parce que la cigarette, voilà, ça touche beaucoup de personnes, ça touche les jeunes aussi qui, vous verrez, se laissent tenter. Donc vous aurez en description aussi le lien d'une pub, là, un lien Facebook, d'une pub qui a été tournée pour vous montrer finalement pourquoi les cigarettes, bah voilà, vous allez apprendre quelque chose de super intéressant, bref, que je vais vous expliquer dans la vidéo. Alors pour commencer, la cigarette, voilà, qui est présente on va dire un petit peu partout dans le monde entier, et cette fameuse phrase fumer tue. Alors pourquoi on entend fumer tue? Tout simplement parce que la composition est très mauvaise. La composition des cigarettes est mauvaise. Pourquoi? Alors vous allez me dire, il y a des gens qui fument depuis des années et qui sont jamais malades, et il y a des gens qui fument pas et qui ont le cancer du poumon, c'est n'importe quoi, la composition ça veut rien dire parce qu'il y a des gens qui attrapent le cancer et d'autres non. Voilà, donc les gars, faut savoir déjà que à la base, une cigarette c'est du papier et du tabac. Voilà, maintenant il y a des filtres, il y a des substances, des compositions différentes. Mais il y a une chose à savoir, c'est que vous avez de plus en plus de substances qui sont rajoutées au fil du temps. Et c'est pour ça que la cigarette tue de plus en plus de monde. Et le tabac en général, je vais pas parler des joints, des trucs comme ça. Parce que voilà, vous renseignez un petit peu, vous allez vite trouver des infos. Mais il faut savoir que... pourquoi il y a de plus en plus d'ingrédients là-dedans, je vais vous le dire juste après, mais il faut savoir que ces ingrédients, ça peut être de l'acétone. Donc l'acétone, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dissolvant. Il peut y avoir du monoxyde de carbone, bah c'est ce qu'il y a dans la fumée, c'est ce qui sort des pots d'échappement des voitures par exemple. Vous avez plein de trucs, de l'ammoniac qui est un détergent, vous avez du DDT pardon, qui est un insecticide. Donc voilà, vous avez beaucoup de produits qui sont classés cancérigènes. Et y a une question qui se pose, c'est pourquoi finalement on part d'une base que le tabac c'est du papier et du tabac tout simplement, et que plus le temps avance, plus on voit des pubs avec des produits nouveaux qui sont cancérigènes. C'est tout simplement en fait que l'industrie en général, donc l'industrie n'importe, hein, tout ce qui est généré par l'industrie, etc., ça génère des nouveaux produits toxiques. Et le problème, c'est que ces produits toxiques, si vous vous en débarrassez pas sur la planète, bah vous avez énormément de conséquences qui sont mauvaises. C'est pour ça qu'on entend parler énormément de l'écologie. Et donc, avant, donc par le passé, quand il y avait moins de personnes, quand il y avait moins d'habitations, etc., il y avait plus de terrain. Il y avait plus de terrain et du coup, tous ces produits toxiques pouvaient être enterrés, brûlés, etc., pour s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément de normes dans l'écologie qui sont très strictes. Et que vous avez énormément de cigarettes qui sont fumées chaque année. Le but, c'est de prendre tous les déchets toxiques finalement générés par l'industrie et de les éliminer en les mettant dans les cigarettes. Pourquoi? Parce que en les mettant à petite dose, comme la cigarette est quelque chose qui est beaucoup consommé, qui est brûlé, etc., comme les gens vont fumer leurs cigarettes, on leur balance plein de produits comme ça, les produits toxiques de l'industrie, et du coup les gens à petite dose les fument tous les jours, donc que ce soit du dissolvant, du détergent, des solvants industriels, des insecticides, du carburant de fumée, je pense par exemple au méthanol que vous avez sûrement entendu. Voilà, on vous met des petites doses de tous ces produits dans les cigarettes pour les éliminer, les gens ne sentent rien, et je pense que si vous avez cliqué sur le lien dans la description, vous allez comprendre finalement
que les gens ne sentent rien et que pour que tout ça se soit bien pris entre guillemets, on habitue les gens tôt. C'est pour ça que auprès des jeunes, il y a beaucoup de marques, il y a des nouveaux goûts qui sont faits, etc. Des pochettes, des boîtes, des paquets de cigarettes qui sont assez attrayants. C'est pour que les jeunes achètent et soient habitués au plus tôt par ces nouveaux goûts, ces nouveaux produits, et que finalement, bah toute leur vie, s'ils fument, en fumant finalement, ils payent leurs cigarettes et ils payent aussi des gens qui leur font avaler des merdes qui servent tout simplement à éliminer les produits toxiques de l'industrie. Donc, faut savoir que vous avez des addictifs qui permettent de rendre dépendant. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qui est présent dans toutes les cigarettes, dans les sodas aussi, le sucre, l'indépendance à plein de choses. Voilà. Il faut savoir aussi que dans les années 70, l'industrie du tabac, elle a perdu un procès aux États-Unis en rapport avec tous ces produits toxiques que je vous ai parlé et qui sont présents dans les cigarettes. Et finalement, pourquoi il y a toujours ces substances? C'est tout simplement que, à la suite du procès, etc., il a été décidé que 0,1% du chiffre d'affaires, donc du tabac, etc., serait reversé pour financer l'armée américaine, pardon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours autant de substances de merde, parce que finalement, ça permet d'éliminer plein de produits toxiques. Il y a une partie qui est reversée aussi. Donc voilà, finalement, nous, les fumeurs, voilà, ils sont conscients qu'il y a tous ces problèmes, mais il faut savoir aussi que la nature est bien faite, c'est-à-dire que l'organisme est assez bien conçu pour éliminer tout ce qui est saloperie, tout ce que le corps voit d'étranger. Et il y a quelque chose qui est super important en plus, c'est que dans l'histoire du monde, depuis des millénaires, les hommes fument, et pourtant, c'est pas pour ça qu'avant, il y avait autant de morts, que le tabac tue autant. C'est tout simplement de 1, comme je vous l'ai dit, que toutes ces substances rajoutées, sont extrêmement mauvaises pour l'organisme, comme vous pouvez vous en douter. Mais il faut savoir aussi que tout ce qui est cancer du poumon, etc., c'est en plus accentué par le sentiment de peur de la mort que les fumeurs ont. Les fumeurs entendent tellement parler du cancer, tellement parler de la mort, les paquets de cigarettes dessus, on voit des poumons dégradés et tout. Et ce sentiment de peur de la mort, ça crée de l'angoisse, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, etc. Parce que les gens sont plus stressés. Et ça, c'est un impact. Il y a en plus quelque chose à prendre en compte, c'est que plus la société évolue, plus il y a de problèmes d'alimentation. Donc beaucoup de personnes ne mangent pas bien, ne mangent pas sainement, ne boivent pas assez. Donc fumer, c'est mauvais, on est d'accord, mais à la base c'est pas censé tuer, c'est pas quelque chose qui est fait pour tuer à la base. Sinon, si on voit ça que de ce point de vue là, c'est complètement ridicule. Et il faut savoir que, bien entendu, il vaut mieux éviter de fumer, mais il faut savoir aussi que notre système immunitaire, il est suffisamment fort pour lutter contre tout ça, et tout ce qui est lié à la fumée, de la cigarette, etc. Mais on n'aggrave pas sa santé au point d'en mourir. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils fument, mais ils ne boivent plus d'eau, ils boivent des sodas sucrés, ils boivent beaucoup de café, ils mangent des aliments qui sont tout simplement beaucoup surgelés, etc. Des trucs qui sont micro-ondes, des OGM, voilà. Et tout le monde s'intoxique tous les jours avec tous ces produits, parce qu'il y a de plus en plus de personnes à nourrir, donc forcément la qualité, elle est pas forcément bonne dans les produits. Et par conséquent, tout ça, ça dégrade notre organisme et notre système immunitaire qui n'est plus capable de se défendre face à ce qui peut attaquer les poumons dans la cigarette, etc. Et en plus, avec tous ces produits, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc faut savoir que c'est pas bon de fumer, voilà, vaut mieux ne pas fumer. Mais à côté de ça, vous avez aussi le mode de vie des gens qui s'aggrave, et puis ça touche tout le monde, hein. Les fumeurs comme les non-fumeurs, on a un mauvais mode de vie. Si en plus vous fumez et que vous avez tous ces produits toxiques, c'est pas bon. Alors l'autre jour, j'étais à l'hôpital, pour voilà diverses raisons, et j'ai lu un petit papier qui était en gros: les bénéfices de l'arrêt sont nombreux et certains interviennent très rapidement. Donc faut savoir que 20 minutes après votre dernière cigarette, faut savoir que votre pression sanguine et les pulsations du cœur, elles redeviennent normales. Donc juste 20 minutes après. Donc faut vous dire en gros qu'à chaque fois que vous prenez une cigarette, vous réenclenchez ces mécanismes, mais qu'à chaque fois que vous ne prenez pas de cigarette,
Et bah tout ça est bien finalement. Donc vous avez des bénéfices immédiats, donc comme je vous l'ai dit, 20 minutes la pression sanguine et tout. 8 heures après votre dernière cigarette, vous avez une meilleure oxygénation des cellules qui redevient normale. 24 heures après votre dernière cigarette, les risques d'infarctus et de myocarde diminuent, donc ça c'est lié au cœur. Les poumons commencent à éliminer le mucus, les résidus de la fumée, donc voilà, votre corps ne contient plus de nicotine qui est au passage présente toutes les cigarettes. Si vous voulez plus d'infos sur la nicotine, n'hésitez pas à regarder sur le net. 48 heures après, le goût et l'odorat s'améliorent, donc si vous fumez pas pendant 48 heures, vous retrouvez votre goût et votre odorat normal. Vous avez des bénéfices à moyen terme, donc après 72 heures, voilà, vous arrivez à mieux respirer, les bronches commencent à se relâcher, etc. Faut savoir que 2 semaines à 3 mois sans fumer, la toux et la fatigue diminuent, donc vous vous sentez mieux, vous avez un meilleur souffle, vous pouvez mieux marcher, puisque c'est vrai que les fumeurs en général ont tendance à être plus essoufflés. De 1 à 9 mois, vous avez des cils, ouais, voilà, des cils qui repoussent. Vous êtes moins essoufflé. Alors, un an après, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié. Le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non-fumeur. Donc, si vous arrêtez de fumer pendant un an, voilà, là, vous redevenez quelqu'un de normal, on va dire, au niveau de votre organisme et tout. 5 ans après, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Et 10 à 15 ans après, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Donc voilà, c'est pour vous dire finalement que après votre dernière cigarette, vous pouvez toujours vous dire à chaque cigarette, si c'est la dernière, tout ça redevient normal et que finalement vous réenclenchez un mécanisme qui est mauvais en reprenant une. Mais voilà, pensez aussi à avoir un mode de vie, un bon mode de vie, parce que c'est voilà, ça fait partie finalement du fondamental de la vie, de notre corps, et que la cigarette, en plus de tout ce qu'on veut nous faire avaler, bah c'est quelque chose qui est très mauvais, mais qui en plus est aggravé par le fait de notre mauvais mode de vie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurais pu parler de plus de choses comme les cigarettes à rouler qui sont beaucoup plus nocives, de l'e-cigarette aussi, mais bon voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes, j'espère atteindre les 400 ou 500 pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à laisser votre avis en commentaire. Donc voilà, fumer tue certes, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Loki. Allez, ciao tout le monde.